La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses anciens chefs de gouvernement en la personne de Charles Konan Mbani, ce vendredi 10 septembre 2021, en France. Souffrant du Covid-19, l'ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Mbani, hospitalisé durant des jours à la Pisan, a été évacué d'urgence au pays d'Emmanuel Macron pour des soins. Malheureusement, cette pandémie qui a déjà fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire et dans le monde, a eu raison de l'homme âgé de 78 ans. Une information livrée par ses proches. Grand économiste, Charles Konan Mbani fut ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Puis il a été nommé Premier ministre sous Laurent Gbagbo de 2005 à 2007. Homme politique ivoirien, il est resté fidèle au PDCIRDA. Après la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire, il fut nommé président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, une organisation mise sur pied par le chef de l'État, Alassane Ouattara pour la réconciliation en Côte d'Ivoire.